Ça y est, FC24 est là, et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas, MMOXP, vous avez 5% avec le code ZOO, le lien est dans la description. Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les gars, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FC24 et également aussi sur FC25. Je vais vous montrer du coup les gars, toutes les cartes héros confirmées pour FC25, ok? Avant ça, on va aller faire la VSBC 1, 2, 2, 2, Oxley Chamberlain les gars, mais on devrait... Je pense pas que ce soit bien intéressant, ok, j'ai pas vu le prix, j'ai pas vu la carte, j'ai vu qu'il avait 87 de notes. Mais voilà, on va quand même aller voir sa carte. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important les gars, le follow, ça fait, je crois, ça fait une semaine, je suis bloqué à 5614, je crois, comme ça. Abonnez les gars, non, 6614, les gars, n'hésitez pas à vous follow, ok, c'est super important les gars. Le petit like, le petit commentaire, ça, vous êtes à l'affût, y'a rien à dire. Et on est parti directement pour son avis SBC, les gars, ça va aller très vite, franchement. Je suis vraiment pas hype du tout. Vous êtes non plus pas hype, je pense, en vrai de vrai. Ça sert un peu à rien, quoi. Et juste ici, donc c'est un premium, 1m75, élevé, élevé, double 5, les gars, pour Oxlade Chamberlain. En vrai, ça peut être intéressant, c'est juste le nom qui, moi, il m'intéresse pas trop. MC, MDC, MOC, donc il peut jouer sur tous les postes au milieu de terrain, c'est magnifique. Donc, qui est anglais, tout ça, les gars, on s'en fout, c'est un premium. En termes de vitesse, il est super rapide. En termes de frappe, pour un MDC, ça suffit largement. Pour un milieu central aussi. Pour un MOC, ça manque un tout petit peu de finition. Mais ça reste très correct. En termes de passe, pour un MOC, ça reste correct, on va dire. Ok, ça reste correct sans plus. Pour un MC, ça reste correct. Pour un MDC, ça reste correct. Voilà. Pour un milieu central, ça passe et plutôt pas mal. C'est son effet, ça passe long, qui me chagrine un peu, les gars. On est quand même le 12 août, quoi. Donc, c'est un peu normal. En termes de dribble, il est petit de taille. Il n'a pas une grosse agilité. En vrai de vrai, les gars. Voilà. Sinon, le reste, c'est très fort, en vrai de vrai. Mais c'est pas. On n'est pas sur le dribbleur fou, mais c'est très, très propre. Défensivement. Pour un MDC c'est très léger, mais le central MOC ça suffit largement. Et physiquement il est bon aussi. Le gars en vrai non, en vrai en soi la carte est belle, mais bon c'est pas... Voilà, il va pas faire enlever votre Zidane quoi, ok les gars. Donc du coup il a tir puissant plus, passe incisif plus, technique plus et rapide plus. Donc c'est quand même de bon playstyle, surtout pour la passe les gars, passe incisive c'est pas mal du tout. Intuition, la pile, interception, lutte et passe travaillée. Ça va être un milieu de terrain les gars qui sera deux partout. Voilà. Surtout avec la pile, il va récupérer des ballons, il va dribbler, il va tirer, il va marquer. Voilà. Il va être assez efficace, mais in-game ça va pas être plus fort qu'un Zidane ou que autre chose. Enfin, un nom quoi, okay, quelqu'un de connu. Mais ouais les gars, franchement non, la vérité, la carte elle est quand même très sympa. Elle est très très sympa. Il faut quoi du coup, deux équipes, donc ça doit pas être bien cher. Équipe à 87, équipe à 89, quand même les gars, quand même. Hein, bon, je trouve quand même c'est assez élevé. Après c'est très facile à faire les gars, c'est gratuit limite. Hein. C'est gratuit. Il fait combien? Il fait 106 000 crédits. Ouais. Bon les gars, en vrai moi je vous le conseille parce que... c'est gratuit, la carte est jouable, donc pourquoi ne pas le conseiller, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, imaginons par exemple vous avez du Bellingham, ok. N'allez pas enlever Oxlade Chamberlain pour Bellingham, même Barella les gars, ok. Barella aussi est meilleur, il n'a pas le double 5 certes, mais Barella c'est meilleur. Et vous l'avez tous packé normalement. Même par exemple un Valverde, mais voilà, il n'a pas le 4 et 5, mais c'est voilà, c'est quand même meilleur. Ou un De Bruyne alors, un De Bruyne, un MCM aussi sera meilleur que... Oxlade Chamberlain les gars, en termes de frappe, en termes de passe et tout, même il sera plus cheaté. Si vous avez fait Yatoure SBC, il foudroie Oxlade Chamberlain. C'est pour ça que je vais vous dire qu'en vrai, la carte est pas intéressante par rapport à tout ce qu'il y a dans le jeu. Mais c'est pas un SBC que je vous déconseille parce que c'est pas cher et la carte est belle, ok. Donc voilà du coup pour notre frérot Oxlade Chamberlain. Maintenant nous les gars, je vais vous montrer toutes les cartes héros confirmées pour FC25, ok. Donc peut-être qu'il y en aura plus, parce que voilà, peut-être que non, mais je vais tous vous les montrer. Juste à aller sur X et marquer fan de fut, les gars. Il a dû les mettre forcément, donc il met tout, donc à mon avis, il a dû les mettre. Et voilà, c'est juste ici, les gars. On commence directement, écran du PC. Alors, il y en a que je connais pas forcément, je vous dis la vérité, les gars. Carragher, je sais pas comment on le dit comme ça, Carragher, on le dit. Lui, je le connais vite fait, mais je l'ai jamais vu jouer. Donc voilà les gars, il sera un héros 86 et du coup avec l'évolution il montera à 88. Normalement ça c'est par rapport aux évolutions les gars. Donc on verra bien. Mais ça veut dire que... Ouais, ok d'accord. Donc ça c'est les cartes héros mais en mode héros Marvel quoi. Franchement j'aime pas trop le design. La vérité les gars, moi j'aime pas trop. Mais bon.
Georges, je connais pas les gars. On a du Georges, je connais pas du tout, de la vérité. Mais on aura elle du coup. Gucci, donc ça c'est la légende du Real Madrid. Le héros du coup du Real Madrid. Ça a l'air pas mal. Est-ce qu'il va être cheaté ou pas? Ça je sais pas du tout les mecs. Mais ça peut être pas mal. Gucci. Nous avons Blaise Matuidi. Alors en vrai de vrai les gars, moi Blaise Matuidi, je l'aurais pas mis héros. Mais c'est pas un scandale qui déçoit. Matuidi les gars, franchement. Je l'aurais jamais mis en carte héros, je dis la vérité. Mais c'est très sympa, très très sympa. Ça va être un style de Kanté, je pense, les mecs. Matuidi. Nour, je connais pas du tout les mecs. En tout cas, il va arriver. Williams. Voilà, c'est une meuf. Est-ce qu'elle va jouer attaquant? Franchement, je sais pas, les gars. Je dis la vérité. Je sais pas. Et les cartes que je connais pas ne m'intéressent pas. Je dis la vérité. Donc, William. Et il y a Touré, les gars, qui du coup prend un moins 1 sur la note. Parce qu'il avait 86, je crois, de base, ou 87, je sais plus. J'ai un doute maintenant. Voilà que... Et il y a Touré, il est là. Je vais quand même aller regarder. 87. Donc, il prend quand même un moins 1, les gars, il y a Touré. Alors, il prend quand même un moins 1, donc c'est quand même fou. Mais si ça, c'est les cartes héros de base, j'espère que ce sera pas ce design-là. J'espère que le design, ce sera comme un truc comme ça, quoi. Mais les cartes héros, les gars, ça va être juste des têtes. Pas des images dynamiques, c'est des têtes. Voilà, donc là, j'espère que ça, c'est juste des images en mode pour le design de l'affiche, quoi. On passe à la deuxième page. On aura Marek Hamšík, les gars. Voilà, carte héros de Naples, donc 85, pourquoi pas. Les gars, voilà, c'est Pokémon O, Hamšík. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Ils l'ont mis dans l'océan. Hamšík, en tout cas, c'est pas mal. Eden Hazard, les gars, qui, moi, je l'aurais mis héros sans souci. C'est beau, les gars. Samsung, Chelsea, tout ça, c'est vraiment beau. Je l'aurais mis héros, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va être style à la Ribéry Icon. Voilà, il sera cheaté au début. Après, plus on va avancer dans le jeu et personne ne personne le voudra, mais ça sera pas super hype, quoi. Je pense que ça sera ce genre d'héros-là, en tout cas. Je pense que Ginola sera toujours au-dessus. Même si, en vrai, Hazard, les gars, si vraiment on prend ses stats des anciens FIFA, ça devrait être une des cartes héros les plus chères du jeu. Howard, les gars, j'aime beaucoup ce goal, Team Howard, franchement, avec les États-Unis, ce qu'il a fait, Coupe du Monde et tout, les gars, j'aime beaucoup ce goal. Donc, Team Howard, pas mal du tout, pourquoi pas héros, ouais. Maicon, donc ça, les gars, oui, Maicon complètement mérité. Je pense que ce sera l'un des meilleurs défenseurs droits du jeu pour commencer le jeu. Voilà, si vous l'avez, sauf s'ils lui mettent 86 de vitesse, mais je pense que même au début du jeu, 86, ça va quand même être pas mal, excusez-moi, comme Cancelo, les gars, vous vous rappelez Cancelo comme c'était fort, et bien ça va être pareil. Ensuite, on a Sasic, je connais pas du tout. Voilà, je connais pas du tout. Stam, donc ça, c'est le défenseur, les gars, de Manchester United, il me semble. Donc, voilà, c'est celui qui est agressif. Non, j'ai pas connu, les gars, mais je crois que c'était celui qui est agressif et tout. Donc c'est pas mal du tout, ouais, les gars. Stam, je pense qu'il va être vraiment très bon aussi. Il va rentrer dans la danse avec Compagnie Lucio, je pense. Et du coup, nous avons aussi Zé Roberto, les gars. Donc lui, je le connais, mais je l'ai jamais vu jouer. Et pour vous dire, je sais même pas quel poste il joue, les gars. Donc je sais même pas s'il joue pas attaquant, je sais pas, les gars, vu la vérité. C'était quoi? C'était un défenseur, ok, les gars. C'était défenseur milieu de terrain. Je savais pas, les gars, je le connais pas forcément. Donc c'est pour ça que je préfère pas parler. Je l'ai jamais vu jouer, je l'ai vu sur Insta et tout. Et apparemment il est vraiment en forme, les gars, ce mec, encore, hein. Très en forme. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il peut être aussi cheaté, être un peu comme Ramirez. Je sais pas, les gars, pour ceux qui l'ont connu, dites-moi si c'est mieux que Ramirez ou non. J'en sais rien, franchement j'en sais rien, je l'ai pas connu. En tout cas, voilà, les gars, toutes les cartes héros qui vont nous être mises à jour sur FC25, ok. Donc voilà pour les cartes héros. En tout cas, les mecs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like, le petit commentaire. Nous, on se retrouve ce soir à partir de 22h30, 22h30, 23h pour un petit live sur Twitch et YouTube. On ouvrira des packs, on essaiera de faire un peu de foot champ. Et voilà, les frères. En tout cas, prenez soin de vous. Et pour le reste, à ce soir pour ceux qui viennent dans mon live ce soir. Ciao, ciao, les mecs. Tous les soirs sur FIFA, week-end sur foot camp, la semaine c'est détente, marre de ces fichus pack, la vie je mets pas un cas, pas qui conne en SBC, comme d'hab on s'est baisé, t'appuies sur R1, t'enroules avec ça là, de 10 ou 25 mètres, certitude que le but est là, Vandag dans la défense, tu peux quitter d'avance, Golasso, t'as plus d'un joueur, cancer c'est dans le sang, marre de pâté, Sylvain.